I met you somewhere. Her face was familiar. Maybe in our past lives? Shouldn't you, like, focus on graduating? They said, what? I will not stand for that! Now that I won, you have to do what I say. Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de très bonnes infos sur Epic 7, on voit ça tout de suite. On commence par un free unequip, enfin même deux free unequip. On aura la date jusqu'à la fin du mois de novembre, donc ça va être toutes les deux semaines. On en aura un entre le 13 et le 17 novembre, et on en aura un deuxième à la fin du mois, entre le 27 novembre et le 1er décembre. Au niveau des packs, pour la sortie de ML Lua, je rappelle qu'elle va sortir jeudi, on aura deux packs spéciaux. On aura le premier qu'on pourra acheter 3 fois et on aura le deuxième qui pourra être acheté pour 10 000 gold une fois qu'on aura acheté le premier. Avoir les prix, ça m'a l'air pas mauvais. On a des invocations ML, des Goldstone, des Mola, des Leaf, des Mystiques. À mon avis, ça sera un pack à 100 euros, je pense, parce que là, il y a quand même pas mal de ressources. Ça m'étonnerait que ce soit un pack à 50 euros. On pourra l'acheter 3 fois et ensuite, une fois qu'on aura acheté le pack 1, on pourra acheter le pack 2 pour 10 000 gold. Au niveau du contenu maintenant, il y a pas mal de choses. Déjà, forcément, il y a la sortie de Lua. Il y a pas mal de petites choses qui vont sortir avec elle, notamment une nouvelle side story du Théâtre Lunaire. On aura sans doute le temps d'en reparler. On aura notamment Tayou qui sera présent, on aura de nouveaux personnages qui seront présents, et pour l'instant, on voit que ML Lua. C'est là de se passer au Japon, dans une sorte de lycée, donc ça a l'air plutôt sympa, on reconnaît vraiment ces portes d'entrée de salle de classe, très typiques des animés japonais. Donc j'ai hâte de voir tout ça, voire même coréen d'ailleurs. Donc j'ai hâte de voir tout ça, ça a l'air super cool. Et pour fêter ML Lua, on aura un petit event spécial ici, spécial event. Alors je sais pas du tout ce que c'est, je découvre en même temps vous. On va pouvoir récupérer pas mal de récompenses, ça fait plaisir, hein, parce que pour les nouveaux joueurs, une fois que l'Epic Dash était terminé, franchement c'était très très dur de continuer, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Là on va pouvoir continuer, on aura des livres pour farmer, on aura un check-in event, on aura pas mal de ressources ici, j'ai l'impression. Donc j'ai hâte de voir tout ça, franchement, parce que pour les nouveaux joueurs, c'est vrai que ça manque un petit peu d'event. On récupère un petit peu des récompenses. Bon, c'est pas incroyable, mais ça fait toujours plaisir. Et après, le reste, ok. Ah ouais, si, ok. Maintenant, on va récupérer dans la boutique. Donc, j'imagine qu'à chaque fois qu'on va farmer, on va farmer des petits cœurs. J'imagine que ça fonctionne comme ça. Et avec les petits cœurs, on va pouvoir acheter pas mal de trucs. On a des tickets de héros, des tickets d'Arte, des invocations de ML. Non, franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On verra ce qu'il y a dans la suite des events ici. On n'a pas tout vu. Donc, je pense que c'est quand même pas mal de récompenses à récupérer. Ah, voilà. Donc là, pour les points, c'est marqué ici. Au niveau du contenu, quand on fait un niveau de l'aventure, on récupère 10 cœurs. Quand on fait un niveau des runes, on récupère 15 cœurs. Quand on fait une chasse, et ça marche pour le rift, on récupère 20 cœurs. Et quand on fait de l'arène, une victoire va rapporter 80 cœurs, une défaite va rapporter quand même 60 cœurs. Donc il faudra quand même un petit peu farmer, mais pas trop trop non plus, hein, parce que 10 pour un niveau de l'aventure, ça va très très vite. Et pareil, 80 pour l'arène. Quand on fait 5 niveaux d'arène par jour, on a quasiment rien que la Molagora, donc c'est pas mal. J'ai hâte de voir tout ça, on a pas mal de récompenses. Donc tant mieux, ça nous incite un petit peu à farmer. Ça va être la fin aussi de la saison de GVG. Vendredi, ça va être le dernier jour de GVG. Et à partir de lundi prochain, on aura l'après-saison. Quelques petits ajustements maintenant au niveau de l'expérience utilisateur. Et on va passer à la présentation des prochains personnages. You seek the throne? Come then, take your seat. It's time for me to get back to it. I've been putting off all this paper. It seems there's nowhere left to run. Schniel sera un personnage tisseur d'âme taureau terre. Il n'aura pas de grosses statistiques santé et en défense. Par contre, il aura beaucoup de résistance d'effet et son imprint sera de la santé. Pour moi, Schniel sera un très très bon perso. Ça y est, on a enfin une réponse à Emelré. Je vous conseille d'invoquer sur le personnage si vous galérez à affronter Emelré parce que là, il va totalement annihiler les compétences de Emelré en PVP. Donc, ce sera plutôt un personnage PVP, mais qui semble extrêmement fort. Dans un premier temps, son passif, ça va augmenter sa santé de 10%. Je vous ai dit que les taureaux, il me semble que c'est comme Rether, il me semble que c'est comme DJ Bassar, c'est des tisseurs d'âme qui n'ont pas beaucoup de santé, donc déjà on gagne 10% de santé supplémentaire, c'est pas de refus.
Après qu'un ennemi a utilisé une compétence, si un de ses alliés a subi un poison ou un venin, donc c'est le malus que met principalement Emelré, les poisons c'est pas très populaire sur Epic Seven, mais pourquoi pas, c'est surtout par rapport au venin, ça va retirer tous les malus de Schneil et activer Cleanse. Et Cleanse, on ne pourra l'activer qu'une fois par tour avec le sang monté. Cleanse, ça fait quoi? Ça va aussi retirer tous les malus de tous les alliés et ça va donner une immunité pendant un tour avant de réduire d'un tour les compétences de Schneil. Donc vraiment très fort, on va cleanse toute la team et en plus on va donner une immunité, donc ça empêche totalement le kit de sort de MLR. C'est la version améliorée de Bunny Dominiel. Bunny Dominiel faisait ça quand il y avait un extra turn, si par exemple MLR faisait son S3 et son S2, mais ça ne compterait pas seulement le S2 de MLR, donc c'était assez chiant parce que MLR contre Bunny Dominiel, il pouvait simplement faire son S2. Là on est très bien avec Schneil parce que MLR pourra faire son S2, mais dès qu'un adversaire va mettre un venin, bim, on active la compétence de Schneil, donc c'est très puissant contre MLR, beaucoup plus puissant que Bunny Dominiel par exemple. Petite démonstration, donc là MLR va faire son S3, on va directement voir les venins, c'est pareil si un de ses alliés met des venins, c'est la même chose, et là bim, ça active le passif de Schneil, on cleanse tout et on donne une immunité, vraiment très fort contre MLR. Troisième compétence maintenant, ça va attaquer tous les adversaires et ça va augmenter la défense de tous ses alliés pendant 2 tours. Donc vraiment très défensif sur les tisseurs d'âme, c'était pas trop ce qu'il y avait en général dans les taureaux, c'était assez faible, donc ça c'est bien. On a à la fois un bonus de santé pour lui-même et à la fois un bonus défense, donc ça c'est cool. Et ça va augmenter l'ardeur au combat de Schneil jusqu'à 50%, donc il va quasiment rejouer, c'est beaucoup, 50% avec le sort monté. Et surtout, écoutez-moi bien ça, c'est un personnage qui est fort contre MLR et il va avoir des dégâts de fou furieux. Quand il va réussir son attaque, sachant que c'est une attaque de zone, ça va infliger 4000 de dégâts fixes à tous les adversaires. Et à chaque fois qu'il va lancer son S3, qui a quand même un tour de relance de 4 tours, c'est beaucoup quand même 4 tours, mais avec des LRK, avec des Laya, ça peut cycler très très vite, ça va augmenter les dégâts infligés de 4000 supplémentaires. Et on pourra le stacker 2 fois, donc on peut quasiment one-shot tous les adversaires. Si le combat s'éternise contre Emelré, c'est extrêmement puissant. Ça peut taper super fort, il a de la protection pour la team, il a du cleanse. Petit bémol, c'est qu'il n'a pas de soins. Mais vous allez voir qu'avec son arté, ça peut être sympa. Petit ajout, en revoyant le kit de sort de Schneil, j'avais totalement oublié, mais quand il active son passif une fois par tour, il peut récupérer les CD de son S3, donc ça va être incroyable. Dès qu'il y a des venins contre Emelré, il va faire des dégâts de fou furieux. Franchement, le personnage, il est encore mieux que ce que je pensais. C'est au tour de Schneil, on lance le S3, l'animation est plutôt sympa, hein, franchement, pour un personnage de 5 étoiles RGB classique, une belle animation qui est assez longue, regardez-moi ça, bim les dégâts, vous avez vu les points de vie de tout le monde en face? Ça a tapé super fort. Alors là, je soupçonne, non, il n'y a pas de stacking parce qu'on a tapé que du 6400, donc il a un petit peu de dégâts de base, forcément plus les 4000. Imaginez que ce soit la deuxième fois qu'il lance sa compétence, ça peut taper super fort. Imaginez qu'on puisse en plus le jouer avec ML Charon, avec le bonus cascade, ça fera des dégâts fixes monstrueux. Enfin, sa première compétence, assez classique, ça va attaquer l'adversaire et ça va retirer un malus à un de ses alliés. Le soulburn pour 10 âmes, ça va retirer un malus à tous ses alliés. Donc c'est pas mal. C'est un petit peu comme Rether. L'artefact, alors moi j'aime beaucoup l'artefact parce que c'est un peu la version de l'artefact de collab d'Emilia, sauf qu'à la place de soigner la cible, ça va lui donner un bouclier. Donc en vrai, contre une jury, c'est pas trop mal d'avoir un bouclier. Je vous explique en français. Après qu'un allié ait été attaqué, si les dommages subis sont équivalents à 25 ou plus de la santé max, ça va donner une barrière à l'allié pendant 2 tours. Et la force de la barrière est égale entre 10 et 20% des points de vie du porteur, donc de Schneil, et ça pourrait être activé qu'une seule fois par tour. Donc voilà, une petite alternative à l'artefact d'Emilia, ça donne un shield cette fois-ci, il n'y a pas de résistance d'effet sur le porteur. Franchement, si vous n'avez pas l'artefact d'Emilia, j'ai l'impression que c'est un bon artefact. Après, je vous recommande pas d'aller le chercher en plus 30 non plus, c'est un héros qui est pas limité, c'est pas un héros de collab, c'est un héros classique de ce que j'ai compris, mais en tout cas un gros gros kit de sort contre MLR. Franchement, si vous galérez contre MLR, c'est le personnage qu'il vous faut. J'aime pas trop recommander des personnages RGB classiques, en général on recommande plutôt des héros de collab, plutôt des héros limités, mais là franchement le personnage contre MLR, on a enfin une excellente solution contre lui, donc je pense que ça vaut le coup d'aller récupérer. MLR, c'est quasiment du 10 sur 10 en termes de MS 5 étoiles, c'est un des meilleurs héros du jeu, on le voit beaucoup en PVP, donc si vous galérez contre lui, franchement c'est la valeur sûre, j'ai l'impression, ce petit Schneil. You don't like me? Well, let me see if I can't change your mind. You don't like me? Well, let me see if I can't change your mind. So annoying. Ugh, does it have to be me?
Passons à Melua maintenant. Donc on avait déjà plus ou moins son kit de sort et franchement après avoir vu la vidéo ça m'a l'air pas dégueu du tout. En tout cas ça a l'air mieux que ce que j'avais en attente. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien ce type le héros, mais là j'ai vu son showcase, franchement ça me donne envie de l'invoquer. Emel Lua, ça sera un personnage Dark Ranger Poisson. Elle aura beaucoup de vitesse de base, 120 c'est quand même pas mal, c'est pas la plus rapide, mais ça commence à faire. Elle aura pas de défi, pas de R, et elle aura pas mal de santé. Elle pourra augmenter son défi avec son imprint d'ailleurs. On rappelle vite fait les compétences, donc son S3 avec 4 tours de relance, elle va donner le bonus challenge à tous ses alliés, et ça va augmenter sa défense pendant 2 tours. Son S3 va être une attaque qui va retirer un tour de bonus à tous les adversaires, et elle aura 100% de chance de les provoquer. Son soulburn pour 10 âmes, forcément, comme Lua, ça va être de l'ignore résistance d'effet. Son passif, et c'est ce qui rend le héros assez fort, après avoir été attaqué par un héros, sachant qu'elle provoque tout le monde, elle va pouvoir augmenter l'ardeur au combat de tous les alliés de 10%, c'est quand même beaucoup 10% pour tous les alliés, et elle va procurer le bonus challenge contre-attaque à tous ses alliés. On va regarder la présentation du spell, parce qu'au début c'était pas évident de comprendre ce que ça faisait avec juste la version papier, vous allez voir c'est extrêmement fort. Donc là, Lua, elle a provoqué tout le monde, Lilias va devoir alors taper la Lua, on fait duel attaque avec flanc, peu importe, on commence à contre-attaquer avec le bonus de challenge, tout le monde contre-attaque en fait, vous voyez ça? C'est incroyable. Imaginez, vous avez des DPS qui contre-attaquent à fond, sachant que là on l'a pas vu, mais attendez, on va regarder la suite de la vidéo, je regarde juste son S1. Son S1, ça va attaquer l'adversaire et elle aura 100% de chance de le provoquer. Donc un petit peu comme son S3, sauf que c'est une attaque monocide. Mais regardez, parce que là on n'a pas tout vu, ils ont un petit peu coupé l'animation du spell de Lua et ça va être extrêmement fort. On va regarder même le début du combat, comme ça on voit l'animation en même temps. L'animation est plutôt sympa d'ailleurs, comme ça vous la voyez. Donc là Lua lance son S3 parce qu'on n'a pas tout vu en fait dans la vidéo. Regardez-moi ça. Le S3 est déjà plutôt sympa, une bonne animation. On est provoqué, on tape Lua, du coup Lua contre-attaque, ça déclenche le bonus challenge. Toute la team en fait va contre-attaquer, donc ça j'étais pas très sûr de comment ça fonctionne, et c'est extrêmement fort, regardez les dégâts qu'on a fait. Et après bim, oubliez pas que challenge, le bonus, on en a pas parlé, mais ça fait des dégâts en fonction des points de vie. Et là, quand t'as 4 cibles qui te tapent comme ça en fonction de tes points de vie, je pense que les tanks vont souffrir, les tanks vont énormément souffrir, puisque ça va faire la dual attaque avec tous les alliés qui vont faire leur S1. Et en plus de ça, enfin je sais pas si c'est une dual attaque, c'est pas une dual attaque, c'est juste une contre-attaque, donc c'est pas exactement la même chose. Et en plus ça va faire 8% des points de vie de la cible. Donc imaginez 4 personnes qui tapent une cible en faisant 8% de ses points de vie, on enlève moins 32% des points de vie d'un tank. Imaginez une Emelshena avec 40 000 points de vie, on enlève déjà plus d'un tiers de ses points de vie, c'est vraiment incroyable, sachant qu'il y a aussi les dégâts du S1, si par exemple il y a un héros qui va mettre un break def et derrière il y a un personnage qui va taper sur le break def, on peut aller one shot un tank, ça a l'air quand même extrêmement fort. Je dis pas que c'est le meilleur héros du jeu, de toute façon comme je vous ai dit en live sur Twitch, je vais attendre quelques semaines avant d'invoquer le héros, je vais attendre voir ce que ça donne sur d'autres streams, sur d'autres vidéos, mais franchement elle a l'air un peu mieux que ce que je pensais que ça allait être un héros qui pouvait être skip, mais là avec le petit showcase de la vidéo où tout le monde fait une contre attaque et qui tape super fort avec le bonus challenge, je me dis que ça peut être quand même assez sympa d'avoir Lua. On aura un nouveau théâtre lunaire avec Lua et je pense qu'on aura sûrement Tayu, on a quelques petits teasers, ça s'appellera Natalon Academy, donc ça sera une sorte de lycéenne, tout se passera dans le lycée j'ai l'impression. On aura aussi une nouvelle side story en rapport avec Schniel à partir du 14 novembre jusqu'au 28 novembre. Et Emelre sera le nouveau boss de la salle du calvaire. Donc j'imagine que Schniel sera intéressant contre le boss Emelre. S'il met des venins, je pense que ce sera un personnage à la fois PvE et PvP. Au niveau des bannières, à partir de demain jusqu'au 14 novembre, on aura la bannière à la fois de Eddard et à la fois de Rhaether. Les héros sont globalement moyens, les artefacts ne sont pas indispensables. L'artefact de Ré, Doctor's Bag est pas mal, mais je vous déconseille d'invoquer sur ces héros, ils sont pas du tout méta. On a ensuite deux très bonnes bannières, du 14 au 21, on aura une bannière de Ran, un excellent personnage pour Cleave, et comme c'est un nouveau personnage, la bannière de Schnell durera 2 semaines, donc du 14 novembre en même temps que la bannière de Ran, cette fois-ci jusqu'au 28 novembre, vous voyez que c'est pas un héros limité, donc on pourra le récupérer en dehors de sa bannière si on a un petit peu de chance, et bien évidemment il sera accompagné de son artefact. Au niveau de la bannière de Lua, donc elle apparaît forcément demain, et elle va durer 3 semaines en bannière mystique jusqu'au 28 novembre, elle sera accompagnée de Técrosé, un chevalier qui est pas trop mal pour protéger un des alliés dans sa team. C'était Shuriken, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.